Hello everyone and welcome to the Pollution and Chemicals Room here at the European Development Days 2021. This is Studio 4. We will be focusing, as I say, on pollution and chemicals, and we have a really excellent lineup of panels and events and debates. I'll just give you a brief outline of exactly what we're going to have. We're going to start with a panel on a zero pollution ambition for a toxic-free environment. We have some wonderful guests. That's organised by the French government. It will be conducted in French as well. Then after that, we will have here in the studio a debate on boosting circularity in the global textile industry. That was organised by Humana. We also then later on will have a lab debate, which is save lives, protect food, and slow climate change all at once, looking at an all-government approach to tackling pollution, chemicals, and climate change. We will then also have a stand interview here in the studio, which will look at enabling independent actors and activists to contribute to environmental protection. This is part of the People for Nature project, an award-winning project that has been really excellent in getting people involved in fighting climate change and doing more to support the environment. The WWF in Russia will be joining us for that. Then there will additionally be a project lab, a discussion on value what you wear. This will be about the garment industry. Did you know 150 billion garments are produced every year for the world's 7 billion people? And if we're going to fight climate change and we're going to reduce chemicals and we're going to reduce pollution, I think a lot of people are very aware that the sort of throwaway culture of clothing, especially in Western democracies, will have to adapt in a way to make sure that we're doing more to protect the environment, that we're not having such a culture where we wear things only once. And I think that debate will be really interesting as they focus on that issue. Our brainstorming lab as part of Studio 4 and this pollution and chemicals session throughout the afternoon will focus on harnessing tobacco's contributions for a greener economy. This is an interesting angle because while obviously tobacco has serious health effects and detrimental chemicals to our bodies, the growth of tobacco, the geographical locations in which those plants are grown, how people are growing them, the movement, the way that it is transported, all of this contributes negatively, obviously, to climate change. So we will hear back from that. That will be a sideline panel, the brainstorming event that will happen on the side of our studio as the rest of the panels go through. But I encourage you, if you signed up, obviously join that. It is a discussion that you can contribute to as well. As I said, my name is Jack Parrock. I'll be rolling you through this whole afternoon here in Studio 4. Make sure you're using the hashtag EDD21. That will be useful as well for Slido for some of our panels, which you can contribute to. You can raise your comments, you can tweet, you can Instagram, you can tag all of us in everything, and we will pick up and keep an eye on it. I'll be keeping an eye on the social media of the panels that are going on throughout the session. So, this is the Pollution and Chemicals Room. We are going to start our event, as I said, with our high-level debate. That is going to be conducted by Alex Le Bourdon, who is going to join us shortly. She will pick up after a short video. She will lead that debate, which will be a zero pollution ambition for a toxic-free environment. So that will come up after this short break. Hi, Alex. How are you doing?
beaucoup, Jack, et bienvenue à tous dans ce panel de haut niveau consacré cet après-midi, vous le savez, au thème de la gestion des déchets plastiques et des produits chimiques. Alors, pour planter le décor, je voudrais d'abord commencer par rappeler deux chiffres qui sont assez marquants. Le premier, eh bien, c'est que chaque année, il y a 10 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans. Le deuxième chiffre, c'est le nombre de morts causées par certains produits chimiques. On parle de 1,6 million en 2016. Alors, vous le voyez, hein, ce sont des chiffres assez considérables, surtout si l'on prend en compte le volume global de l'industrie chimique, 500 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et ce chiffre, eh bien, il pourrait doubler d'ici 2030. Il est donc urgent de définir, vous le voyez, un cadre international pour une gestion saine de ces déchets. Et c'est exactement de ça dont on va parler cet après-midi avec nos quatre invités. Alors, on ira d'abord au Liberia, rejoindre Olivia Livingstone, qui est une jeune femme qui a monté une ONG de défense de l'environnement. Elle nous parlera de son expérience de terrain. On ira également poser quelques questions à Rolf Payet, secrétaire exécutif des conventions de Bâle, Stockholm et Rotterdam. Ce sont des textes qui régissent notamment, eh bien, la circulation de certains déchets dangereux. Cet après-midi, on a également le plaisir de recevoir Philippe Lacoste, directeur du développement durable au ministère français des Affaires étrangères. Et puis enfin, on ira aussi explorer la dimension européenne avec Johanna Drake, hein, qui est la vice-directrice de la DG Environnement à la Commission européenne. Alors, je vous rappelle, hein, que tout au long de ce panel, vous allez pouvoir poser vos questions en direct à nos invités. Et je les soumettrai plutôt en fin de discussion. Faites-le, n'hésitez pas, ce n'est pas compliqué, c'est en quelques clics. Et ça va permettre de rendre cette discussion interactive et puis de faire remonter vos inquiétudes. Il y aura aussi un certain nombre de sondages pendant ce panel. Et là, pareil, n'hésitez pas à voter, à nous donner votre avis. On vous laissera quelques minutes et puis on essaiera d'analyser ces résultats avec nos invités. Alors, je vais d'ailleurs commencer par un premier sondage. Cette question simple qui vous concerne, quel est l'impact des substances chimiques dans les produits de la vie de tous les jours qui vous inquiète le plus? Alors, réponse 1, celui sur la santé, et réponse 2, celui sur l'environnement. Alors, vous n'hésitez pas, encore une fois, à nous donner votre avis. Je vais revenir dans quelques minutes, hein, sur le résultat de ce sondage et puis on y réagira ensemble avec nos invités. Alors, avant justement de donner la parole à nos invités, je voudrais qu'on regarde ce message vidéo d'Olivier Poivre d'Arvor, l'ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes. Alors, vous allez le voir, hein, c'est un cri d'alerte sur la gravité de la situation, à la fois pour l'environnement et pour notre santé. Regardez. Bonjour à tous. En tant qu'ambassadeur de France pour les pôles et les enjeux maritimes, je suis très heureux d'introduire ce panel de haut niveau sur les pollutions et sur les produits chimiques organisés dans le cadre des Journées européennes du développement. Les produits chimiques ont certes amélioré nos conditions de vie, je pense aux engrais chimiques, les produits pharmaceutiques et même encore aux plastiques. Cependant, leur très mauvaise gestion ainsi que celle de leurs déchets représentent une menace considérable pour l'environnement. Fleuves, océans, pôles, tous ces territoires sont particulièrement impactés, la pollution étant l'une des causes principales de la perte de la biodiversité. Les plastiques constituent un enjeu très particulier. Chaque année, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites et environ 10 millions de tonnes de plastique sont rejetées dans les océans. Les pollutions plastiques en mer trouvent à 80% leur source sur Terre et souvent très en amont des bassins versants. Les déchets plastiques finissent par se fragmenter en minuscules particules de plastique, les microplastiques, et on en retrouve à présent dans tous les organismes et les fonds marins. Ces déchets marins dégradent les habitats, étouffent les animaux marins et contaminent les organismes qui se trouvent dans les océans et que nous consommons. Alors, vous le voyez, des chiffres impressionnants et un constat grave fait par l'ambassadeur. D'ailleurs, je vous le rappelle une nouvelle fois, n'hésitez pas à poser vos questions en direct et n'hésitez pas à répondre à nos sondages. On va les commenter, comme je vous le disais, dans quelques minutes par la suite. Alors, comme promis en introduction, je voudrais maintenant qu'on prenne la direction du Liberia, où on va rejoindre Olivia Livingstone, cette jeune femme de 23 ans qui a créé l'ONG Green Stewards pour sensibiliser finalement à l'importance
de la protection de l'environnement. Ça fait quelques mois qu'elle vit dans une communauté de pêcheurs et tous les jours, eh bien, elle peut observer les dégâts du plastique, eh bien, notamment dans les océans. Elle va nous parler de cette expérience de terrain. Bonjour Olivia, merci de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord pourquoi vous vous êtes engagée pour cette cause au Libéria? Hello everyone, I'm Olivia Precious Livingstone from Liberia, and I'm grateful to be given this opportunity to serve as a panelist on this high-level panel discussion. I work with the Green Stewards Incorporated in Liberia to ensure that plastic pollution is combated, especially by local community members. What the Green Stewards Incorporated has been doing is to educate local community members on the effects of plastic waste and to ensure that they manage their plastic waste properly. The GSI has also been advocating and engaging policymakers to ensure that principles of waste management are included in all decision-making processes so that people, manufacturers, distributors of plastic materials are held responsible for the waste that they produce. I'm mostly interested in plastic pollution in marine environment because as a community mobilizer on the Environmental Justice Foundation, Communities for Fisheries Project, I work with local fishermen and I have seen how many times they go out to sea and they come back with plastic materials in their nets instead of fish species. This is terrible as fish species, fish resources are all fishermen depend on in these communities. Therefore, if the ocean continues to be polluted by land sources, sooner or later, we'll see that fishermen who go out to sea will come back with only plastic materials instead of fish products. And because of this, we are determined to ensure that waste management is done properly through sustainable and integrated solid waste management practices in Liberia, and to also ensure that all hands are on deck and included in the process, as we believe that local community members who are highly impacted by these issues should be directly involved in the process of making the necessary changes in these communities in terms of waste management. Merci beaucoup, Olivia, pour ce témoignage. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour vous sur le terrain au Libéria. Alors, le Libéria, hein, qui fait partie, qui est signataire de conventions internationales qui existent notamment sur la gestion de produits dangereux. On va d'ailleurs aller voir Rolf Payet, le secrétaire exécutif de ces trois conventions. Bonjour, monsieur Payet. Merci d'être avec nous cet après-midi. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que sont ces trois conventions et à quoi elles Thank you very much, and a pleasure again to be here with you on this panel. As you know, if we leave the world to do its own thing, nobody will behave. Everybody will pollute, everybody will do what they want, everybody will cut down all the forests and exploit the resources that we have. So that is why it is important that we have international conventions. The other reason why we need to have international conventions is that you have one country who's doing its best to protect the environment, to reduce pollution, and then you have another country who is actually not considering protecting the environment and implementing, you know, measures to reduce such as air pollution, water pollution, and this arises especially with countries who share borders, who share rivers, who share mountains, and so on. So the three conventions have come together in a synergistic approach to represent the life cycle of chemicals. So if we start with the Stockholm Convention and the Rotterdam Convention, these are two conventions that deals with chemicals, and they manage chemicals from the time they are produced, they are shipped, and they are used, and then they are disposed of. In the case of the Rotterdam Convention, is really an arrangement between countries when they send chemicals from one country to the other. For example, pesticides for use in agriculture. The Rotterdam Convention stipulates the use of a pre-informed consent, which means that documentation has to be filled in and sent to the country of destination, and that country has to say, yes,
I have the capabilities and capacity to manage this chemical in my own country. So it stops countries, in principle, from just sending chemicals to another country who doesn't have capabilities to manage those chemicals. In contrast, the Stockholm Convention recognized that there were certain chemicals that were very, very bad for our human, for human health and the environment. And one example which I always use is DDT. DDT has been used for the control of malaria, but it is such a good chemical that it also kills humans, creates a lot of health problems, and it has been disused. The Stockholm Convention is the convention that banned the use of DDT. Yes, we have some exemptions today, especially in some countries, a few countries where malaria is still endemic. But overall, around the world, factories that were producing DDT have had to close down. Now, on the Stockholm Convention, we have more than 26 chemicals that have been listed. And this comprises a lot of chemicals that you're probably not aware of, but some have been used, for example, in furniture as a flame retardant and have been found to affect human health. Some have been used, for example, in nonstick pans, in different kinds of products, in plastics, for example, which also needs to be phased out, and of course, alternatives to these chemicals being found. The third convention is the Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Waste and the Disposal. Now, this is a mouthful of a convention, but basically, it puts responsibility on each country of the world to manage their waste, which means that you need to find the resources, the capabilities within your country to manage your waste. Now, in the case you cannot manage the waste, for example, a small island country cannot, for example, recycle a mobile phone because it is so complex in its recycle, then the Basel Convention provides a method by which countries can export waste for recycling. And this is what's been happening in the past 30 years. We celebrated, you know, Basel Convention recently. And the Basel Convention provides, again, the prior informed consent method of a country A who's sending waste to a country B, asking them for permission to send waste to that country B. And that country B has to also have the facilities for recycling of this waste. But of course, there's been abuse of all of the conventions. Countries have been sending waste without verifying that country B has the facilities for recycling. And one of the biggest challenges we have today is, of course, plastic waste. Because it is not recycled, in fact, only 9% of the waste is recycled. We have a huge, huge amount of plastic waste ending up in the oceans. Merci beaucoup, Rolf Payette, pour ces éclaircissements et ces explications sur ces trois conventions. Je pense que c'était important en ce début de panel. Alors, on reviendra plus tard sur la législation existante et sur ce qu'il faudrait mettre en place justement pour la compléter. Mais on a maintenant clôturé notre premier sondage. Alors, je vais vous donner le résultat à la question « Quel est l'impact des substances chimiques dans les produits de la vie de tous les jours qui vous inquiète le plus ?» Alors, vous avez été 50% à répondre celui sur la santé et 50% celui sur l'environnement. Je vais d'ailleurs demander à Philippe Lacoste de réagir sur ces résultats, le directeur du développement durable au ministère français des Affaires étrangères. On voit que les inquiétudes sont partagées sur ce point. Oui, merci Alix et bonjour à tous. Le résultat du sondage est tout à fait édifiant parce qu'en fait, c'est un petit peu la même question. L'environnement, c'est d'abord un environnement vivant et donc l'impact sur la santé, il se retrouve effectivement sur les deux parties. Ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est que les premiers dégâts qui ont été enregistrés, dont on s'est rendu compte à la suite d'utilisation de produits chimiques, ont été constatés dans le domaine de l'environnement. Et c'est ce fameux ouvrage du début des années 70, Silent Spring, d'une océanographe américaine, Rachel Carson, qui s'était émue du fait qu'elle n'entendait plus d'oiseaux parce que tous les oiseaux avaient disparu à la suite d'un emploi massif de pesticides. Et donc, au niveau international, on date à peu près de la même période, d'une réunion qui s'est tenue à Stockholm en 1972 sur l'impact, en général, des produits chimiques sur l'environnement.
Et ce n'est qu'en 1986 que l'OMS, donc qui est l'Organisation des Nations Unies en charge de ces questions de santé, a pris en compte l'environnement comme étant un facteur de bonne santé des populations. Un exemple qu'on peut citer qui n'a pas encore été mentionné jusqu'ici, je crois que c'est le protocole de Montréal sur la protection de l'environnement et notamment de la couche d'ozone. Alors on aime bien le citer parce que dans le domaine du droit international de l'environnement, c'est un succès rare. Et là aussi, les effets de cet appauvrissement ou ce trou dans la couche d'ozone étaient clairement démontrés par les scientifiques, cancer de la peau, diminution de la production halieutique et agricole. Et donc la communauté internationale s'est organisée, il y a eu des produits de substitution, il y a eu un accompagnement des pays en développement, et aujourd'hui, je dirais, cette couche d'ozone est quasiment reconstituée. On demeure néanmoins vigilant, et un certain nombre de produits réfrigérants, parce que c'était surtout ceux-là qui étaient dans les frigidaires ou dans les bombes aérosols, sont aujourd'hui interdits et ont disparu. Donc voilà une belle histoire qu'on peut raconter et qu'on s'efforce de reproduire dans d'autres domaines. Merci beaucoup, Philippe. Je rappelle que vous êtes directeur général du développement durable au ministère français des Affaires étrangères. Il y avait un petit problème avec le bandeau, mais je vais maintenant soumettre aux personnes qui nous regardent cet après-midi, derrière leurs écrans, un deuxième sondage. Alors, comme pour le premier, vous n'hésitez pas, vous votez, c'est pas très compliqué, c'est fait en quelques clics. Alors, voici la question. Dans la liste qui suit, quel est le type de pollution que vous considérez comme le plus important ? Réponse 1, le volume croissant de déchets. Réponse 2, la pollution marine. Réponse 3, la pollution de l'air. Et enfin, réponse 4, la pollution des rivières, des lacs et des eaux souterraines. Alors, vous avez, comme tout à l'heure, quelques minutes pour répondre et puis on reviendra sur le résultat un petit peu plus tard avec nos invités. On va maintenant rejoindre Johanna Drake, vice-directrice de la DG Environnement à la Commission européenne, comme je le disais en introduction. Madame Drake, donc on parlait tout à l'heure des questions de santé et environnement. La lutte contre la pollution, c'est évidemment un point très important du fameux Green Deal, du fameux pacte vert. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? First of all, thank you very much, Alex, for this opportunity to participate in this panel. Well, of course, the Green Deal is our growth strategy, but it is a growth strategy that comes at a point when we can no longer look at economy and sustainability as following different and parallel paths. They have to converge. Now, it is the same thing with health and the environment. In fact, I'm very pleased as well, as the minister said earlier, about the results, the 50-50 split between what people think about what they're concerned most about. COVID crisis has taught us many things, and one of the things that it has taught us is that, in fact, human health and the health of the planet are really interlinked. And people and the environment are, in fact, both exposed very much to chemicals and pollution, and many of these chemicals are, in fact, harmful and can cause diseases. In fact, some chemicals can also cause vulnerability. They can increase vulnerability to diseases, and also they can decrease the capacity to respond to vaccines. And this is exactly what we do not want to know, or we do not want to happen, especially in the time of the pandemic, like we are still going through. 1 in 8 deaths in the European Union is linked to environmental pollution. 90% of these deaths are due to chronic diseases, and they are mostly cancer. What is worse is that there are vulnerable groups in society, and we have seen this also with COVID. Children, people with medical conditions, older people, people with disabilities, and those living in poorer and socioeconomic conditions. And I think, as with COVID, we also have a moral obligation here to act and to change things. And this is why the Green Deal, apart from many other initiatives on
on chemicals, on air pollution, which we'll also detail now, on biodiversity, on circular economy, on farm to fork, the food sustainability strategy, tackles two very much interlinked policies, and that is the EU Zero Pollution Action Plan, which has just been adopted beginning of May, and also the Chemical Strategy for Sustainability. And in order to catalyze, I would say, this change and the transition. And the transition to what? We are aiming to a toxic-free environment. They are very far-reaching plans. And if we carry them out properly, they will greatly contribute to a toxic-free environment. And there is a date, and the date is by 2050. They will not only benefit the European Union, of course, but the whole planet, because our current consumption and waste patterns can cause significant pollution elsewhere in the world. And the European Union has shown to have very powerful tools to mitigate this pollution worldwide, not only in the EU, because, of course, pollution knows no borders, the same way like the pandemic has shown us as well. And therefore, with our policies, our funds, our green diplomacy, and also by stimulating innovation, encouraging it, in order to have cleaner production, more sustainable consumption of goods and services, will all help to take us to the target of a toxic-free environment. Now, of course, if we talk about zero pollution, you might have people out there saying, "Ah, but this is really not—it's not really realistic, is it? It's not absolute. It's not a utopian zero, in fact." And I don't think this would, in fact, be feasible. But our objective is very clear, and it has a date to it. Our objective is to secure that by 2050, pollution is reduced to levels which are no longer considered to be harmful for human health and also to the natural ecosystems, which respect the boundaries of our planet and thus creating a toxic-free environment. The conclusion, therefore, is that the fight for a fight against pollution is also a fight for a healthier Europe. It means healthier us, healthier nature, and healthier planet. Merci beaucoup, Madame Drake, pour cette vision européenne des différentes actions. On a maintenant les résultats de notre deuxième sondage. Vous avez été la majorité à considérer, donc 75% à considérer le volume croissant de déchets comme le type de pollution le plus important, et puis 25% à considérer que c'est la pollution de l'air. Alors je me tourne vers vous, hein, Olivia Livingstone, vous qui constatez tous les jours ces déchets, et notamment dans les océans. Quelle est votre réaction à ce résultat? Donc la plus grande majorité, 75% des personnes qui nous regardent estiment que le volume croissant de déchets, eh bien, c'est le type de pollution le plus important. So I'm having a technical issue and there are no translators, which means that I do not understand what is being said at the moment. Très bien, Olivia. Eh bien, on va se tourner vers Philippe Lacoste à ce moment-là, qui comprend donc le français, pour une réaction hein, sur ce deuxième sondage. Monsieur Lacoste, si vous m'entendez, donc la majorité des personnes qui nous regardent, soit 75%, estiment que eh bien, le volume croissant de déchets, c'est le type de pollution le plus important. 25% estiment que c'est la pollution de l'air. Est-ce que vous pouvez nous donner une réaction finalement sur ces résultats? J'ai l'impression qu'il y a également un problème technique avec la connexion avec Monsieur Lacoste. Vous m'entendez? Très bien. Donc il y a également un problème technique avec Monsieur Lacoste. Écoutez, Monsieur Rolf Payette, est-ce que, si vous avez la traduction en ce qui vous concerne, est-ce que vous voulez bien réagir donc aux résultats de ce deuxième sondage? Merci Alex. Notamment, je parle français parce que je viens des Seychelles et pendant la préparation, tout ça, on a oublié de faire le point que je parle aussi. Heureusement que vous parlez français. Vous m'avez comprise, oui. Donc c'est parfait. Oui. Donc, bien compris. Pour le volume croissant de déchets et 25% pour la pollution. Oui, j'étais un peu pas surpris, mais je suis très content parce que
Tu sais, les déchets sont quelque chose qui sont invisibles. Quand on fait tout ménage et tout ça, on prend les déchets, on met dans la poubelle et puis on s'en fout, on se voit pas là les déchets. Mais cette réponse et cette conscience qui s'agrandissent, qui nous connecte directement avec nos déchets, pour moi, ça c'est très important. Et je félicite les journalistes, les canaux, télévision, radio et tout ça. Et puis nous-mêmes qui a continué à parler, à sensibiliser les gens que c'est notre activité, nos activités comme humains, comme famille, comme travailleurs, qui a cette pression énorme sur notre planète. Alors, pour moi, c'est du bonne nouvelle. Et aussi, cette connexion avec l'océan, c'est pour moi très important aussi parce que les gens maintenant se prennent le conscience, même s'ils vivent dans les villes, dans les zones urbanisées, ils ont une connexion avec la mer, ils ont une connexion avec l'environnement, les forêts, les airs riverains et tout ça. Alors, pour moi, c'est du bonne nouvelle. Merci. Très bien. Donc, c'est pour vous, hein, Monsieur Payette, la preuve qu'il y a une prise de conscience, hein, véritablement, notamment sur la gestion des déchets. C'est vrai qu'on peut analyser complètement les résultats de ce sondage ainsi. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur Lacoste, qui est revenu. Je crois que la connexion est à nouveau rétablie. Est-ce que vous pouvez donc également, à l'image de Monsieur Payette, réagir sur les résultats de ce sondage, hein? Donc, je vous rappelle les résultats. Les personnes qui nous regardent donc, ont été une grande majorité, 75% à considérer comme type de pollution le plus important, eh bien, le volume croissant de déchets. Ils ont été 25% à estimer que c'est la pollution de l'air. Comment vous analysez ça? Je crois que c'est aussi un effet de la communication par les médias. Et comme M. Payette, on ne peut que s'en féliciter. Hein, ces images du septième continent, je dirais, de plusieurs kilomètres de circonférence, de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur qui dérivent, constitués entièrement de déchets plastiques dans l'océan. Tous ces décharges un petit peu sauvages qui ont des effets sur la santé, tout ça, je crois que ça produit des images fortes. Et donc, c'est un effort de sensibilisation, de communication auprès du public, parce qu'effectivement, c'est à travers le comportement de chacun qu'on peut essayer d'améliorer la situation. La pollution atmosphérique, c'est vrai que, et notamment par exemple, les particules fines, sont comme le réchauffement climatique, sont une cause, je dirais, de décès majeurs et trop souvent ignorés. Donc je crois que c'est à force d'établir des liens entre les différentes activités humaines, les actes individuels, comme consommateurs, comme producteurs, qu'on peut arriver à faire des progrès pour un monde plus sain et donc, je dirais, une espérance de vie, des conditions de vie meilleures. Plus sensibilisé à ces questions. Pour continuer à aller un petit peu plus loin dans ce débat, on va rester avec vous, hein, Monsieur Lacoste. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quelles sont les solutions pour diminuer les risques à la fois sanitaires et environnementaux de l'utilisation de produits chimiques? Together with the European Union and the German DIZ, we're working since 2019 to address the issue of marine plastic litter through the Rethinking Plastics project. This 10 million euro project, funded by the EU and the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, is embedded in the vast host of European policies aimed at deploying circular economy solutions to address the issue of plastic pollution. Expertise France's work in Vietnam has focused on supporting the Vietnamese government in developing a foundational policy based on the polluter-payer principle called Extended Producer Responsibility for plastic packaging. Through an EPR, companies are financially responsible for the collection, sorting, and recycling of the waste.
It's one of the most concrete tools to make the circular economy a reality, a top priority for Vietnam and the EU. Concretely speaking, Expertise France has provided to the Ministry of the Environment policy advice on the fundamentals of EPRs and launched a pilot project aimed at testing some of these assumptions of the emerging EPR legislation, led by the French Institute of Research and Development, IRD, and the Hanoi Architectural University. Throughout 2021 and 2022, it will continue to support closely the Ministry in the development of the new legislation through consultation workshops and educational activities, among other things. Alors, il y a eu un petit problème technique, hein, mais vous venez d'entendre Jérémy Pellet, hein, c'est le directeur général d'Expertise France, et il nous présentait le projet Rethinking Plastic. Alors, c'est un exemple finalement de coopération européenne. Alors, je me tourne vers vous, Johanna Drake, hein, sur ce sujet. Au niveau européen, quel genre de projet existe? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la coordination européenne sur ce sujet? So plastic prevention is in fact the cornerstone of the policies, and I'm so pleased in the survey that you have that this awareness is among, you know, people really expect policymakers to act and to act with numbers and with dates. And this is what we have been doing at the European level, at the national level, at the local level. First of all, to prevent, because this is the pyramid, we need to prevent the waste, first of all, especially of plastics, but also to foster its sustainability. And we have some important instruments at EU level. I'll give you just a few examples, just to be concrete. There's European Union legislation, which obliges all member states to ensure that in their waters, marine litter does not harm the coast and the marine environment itself. In fact, we have recently agreed on a law in the European Union that there shouldn't be more than 20 litter items for every 100 meters of coastline. This is really, really key. The single-use plastics, for instance, and the fishing gear directive, these are very important directives which will reduce the leakage of the sea to the sea of the 10 most important single-use plastic products that are mostly found on our beaches. It's summer coming now, at least in this part of the world, and many of us will be on the beach. And many of us will see that there's a lot of these litter items that we have reduced and really some of them banned, some of them actually asking, you know, for there to be alternatives. And it will be addressing, in fact, over the 10 products that we are talking about, 70% of all the marine litter found in the EU. Many of us will see also fishing gear, for instance. And I'm pleased that in the previous video, there was this action on extended producer responsibility, because this is where extended producer responsibility has actually really worked with fishing gear and fishermen who have been very collaborative in this respect. So the directive on single-use plastics, as I said, focuses on the prevention of certain items for which there are sustainable alternatives on the market. For instance, if we look at cutlery, at cups and plates, for example, you know, all alternative products exist, alternative to plastics. When we will be reviewing this directive in 6 years' time, and we hope by then that all of us will be seeing much less plastics in our ocean. And also the list of the 10 most found plastics will be substantially different. Now, at the national and local levels, there are instruments that, for instance, that member states may choose to want to deploy, like, for instance, charging fees for plastic bags. Plastic consumption is still increasing in Europe, though, even if many member states have been very active on this front. And the increasing consumption of plastics is reflecting in the plastic waste generation, which is, of course, also increasing. However, the recovery of plastic waste is also on the rise. So while we're still consuming plastics, while we're still pushing for plastics to be out of our marine environment, still it's on the rise, but at the same time, we're also recovering a lot of plastics. And a significant share of plastic waste generated in Europe is traded to other regions
of the world. And the way we handle plastic waste is therefore in contradiction to our own circular economy goals. And therefore, the key focus of plastic pollution or plastic waste remains prevention. Merci beaucoup, Johanna Drake. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Payet. En matière de pollution, finalement, que font les conventions exactement? Well, in terms of, let's start with Basel, for example, which deals with transboundary movement of hazardous waste. As you know, earlier this year, we had the entry into force of the amendments, the amendments of Basel Convention on Plastic Waste, which is going to be restricting the shipments of certain kinds of types of plastic waste, for example, waste that are mixed and dirty and not destined for recycling, and also zooming down on certain types of transactions. So the interesting thing is all the parties to the Basel Convention agreed to this change. And for me, this is great news, because there is this big awareness. What is the challenges are, of course, the capacities for those countries to be able to implement those measures, put in place investments for proper recycling, investments for, as mentioned, for reduction, minimization of those wastes, and other measures as well, such as policy measures to get people to recycle more, reuse more, and also to encourage industry to look for alternatives. So these are some of the big challenges we have before us as far as the conventions are concerned, is how do we support countries to be able to do this? The other convention, like Stockholm Convention, we've already started work. Parties are already submitting a number of plastics that have got in them those toxic chemicals. And the work has started now for negotiations on how we're going to eliminate those toxic chemicals from these types of plastics. So the work is happening at the policy level, at the legal level, but also on the ground as well in terms of supporting countries in implementing. Because yes, you can take great decisions at the international level. We can have these great treaties that do all these fantastic decisions. But if we cannot translate this into the local action, then we'll be going around in circles. The final point I wanted to raise is that of circular economy, of course. I started my presentation by saying all the three conventions fit within that life cycle approach of chemicals and waste. And what we're doing is we're working within that context. And we look towards the Green Deal, in fact, of the European Union has a major example on how countries together within a community can work towards addressing some of these pollution challenges. And I think we will be learning a lot of lessons from that group of countries in terms of addressing the challenges that we have before us. Très bien, merci Monsieur Payet. Il est temps maintenant de lancer notre troisième sondage. Hein, comme les autres, vous n'hésitez pas derrière vos écrans, vous votez. Voici la question. Selon vous, quel est l'échelon le plus à même de s'attaquer aux questions de pollution? Réponse 1, l'échelon local. Réponse 2, l'échelon national. Réponse 3, les organisations régionales. Et réponse 4, eh bien, l'échelon mondial. Hein, comme tout à l'heure, on vous laisse quelques minutes pour voter et puis on essaiera de commenter les résultats en direct. Maintenant, je voudrais qu'on aborde une question cruciale à ce stade de ce panel. Ce sont les lacunes de la législation actuelle. Hein, on l'a déjà un petit peu évoqué dans cette discussion, mais je voudrais qu'on fasse un petit tour de table des invités sur cette question. On va commencer par vous, Olivia Livingstone, j'espère que vous avez pu régler votre problème de traduction. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à une meilleure gestion des déchets plastiques et des produits chimiques? Je ne suis pas sûre qu'Olivia ait pu régler son problème de traduction pour le moment. Ce n'est pas grave, on reviendra vers vous un petit peu plus tard, Olivia. J'espère que ça va s'améliorer. Alors, je me tourne vers vous, Philippe Lacoste. Hein, c'est la même question. Quels sont, selon vous, finalement, les défauts et les défaillances de la législation actuelle? Écoutez, on va attendre le résultat de votre sondage, mais vous me permettrez de répondre comme un diplomate, donc de parler de l'échelon international.
vous posiez la question. Je pense qu'il existe aujourd'hui des lacunes dans ce que M. Payet a expliqué. On voit qu'il y a un certain nombre de produits chimiques dangereux qui sont d'ores et déjà interdits. Le dernier d'entre eux, c'est le mercure, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, il existe sans doute des extensions de ces différentes conventions pour interdire, réglementer le transport de ces produits dangereux. Après, on a beaucoup parlé, on a commencé par là, à travers l'intervention d'ailleurs de mon collègue Poivre d'Arvor sur les océans. C'est clair qu'aujourd'hui, on a identifié une lacune dans le domaine de la pollution plastique des océans. Ça, nous pensons, avec tous les États membres de l'Union européenne, que ça peut faire l'objet d'un nouvel instrument international, au même titre que, la Convention de lutte contre les changements climatiques, qui avait pour objet de traiter les rejets dans l'atmosphère. Et bien, nous pensons que ça, là, il y a la matière, il y a le besoin, et c'est une négociation que nous allons lancer à la prochaine Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi dans quelques mois. Donc voilà les principales lacunes au niveau international. Il n'en reste pas moins, mais le sondage le dira, qu'il y a aussi beaucoup, comme toutes les questions d'environnement, de choses qui se passent au niveau local, où c'est la réglementation locale, naturellement, qui prime sur la réglementation internationale. Johanna Drake, à votre tour, selon vous, alors comment vous définiriez finalement les défaillances de la législation actuelle ? If I focus on chemical legislation, because everything is made of chemicals in the end, including plastics, I think we have very advanced chemicals legislation in the European Union. It has existed for 15 years. And today, of course, we know much more about chemicals and about, you know, what they actually produce in the environment more than we knew in the past. We have been consistently working on phasing out harmful chemicals. However, even if we have made a lot of progress, still there are so many areas where we need to act urgently. For example, if we look at endocrine disruptors and chemicals that are toxic for reproduction, for instance, we are actually in the whole of Europe experiencing a reproductive crisis. And we cannot dismiss the direct causality between the existence of these chemicals still on the market with the reproductive crisis we have in Europe. Other chemicals that are highly persistent in the environment, the so-called PFAS, they also contaminate other regions in Europe, including drinking water. And this is also very serious. Now, I'll give you a few concrete examples of the chemical strategy for sustainability that we're working on at the moment. And the aim of this chemical strategy is to, again, review what we have so far to stocktake and also to address these gaps that you have been mentioning. So first of all, protection. We will need to change our approach here. And the approach needs to be more preventative so that both our health and our planet are better protected. This means that the presence of the most harmful chemicals would not be allowed in consumer products unless their use is proven essential. This is very radical, but we need to go in that direction. And this will apply to products we know well: toys, childcare articles, cosmetics, food contact material, textiles. To achieve this, we will propose next year in 2022 to revise the so-called sectoral legislation and update the so-called REACH directive, the very famous ones amongst those who know anything about chemicals. So first was protection, second is compliance. We need to step up compliance. And the principle that we're going for is no data, no market. In other words, companies that hope to have their products on the market and exploit the full benefits of the EU internal market must make sure that they have also supplied the right information about their chemicals to the European Chemicals Agency. With the member states, we will step up enforcement, we will step up audits, and also there will be more frequent checks on products and chemicals, including imported articles. One important point is about Europe and the world. Europe wants to be a leading, wants to have a leading role and to champion this high standards in the world. And across the globe, we wish to help all other our partners to step up the sustainability efforts on chemicals. This requires, first and foremost, that we are also consistent. And that means that we will develop
legislation to ensure that chemicals banned in the EU are not allowed to be produced here for exports either. And this is a very important point in the context of the global world. Merci beaucoup, Johanna Drake, pour ces explications. Il est temps maintenant de clôturer donc notre troisième sondage sur l'échelon le plus pertinent pour s'attaquer aux questions de pollution. Vous avez été donc 17% à répondre l'échelon local et 83% à répondre l'échelon mondial. I think, Olivia, you don't have any translation yet, so it must be quite difficult for you to participate in this discussion, but I'm going to try to translate the results of this poll for you, because I would like you to react on this result. So 17% of the persons watching us this afternoon thinks that the local level is the best one to tackle pollution question, and 83% or actually 71%, sorry, think that the global level is the best one to tackle the question of pollution, and 13% think that it's the national level. What is your reaction? You're fighting on the local level in Liberia. What is your reaction to these results? The results look great. I believe that the best approach is the local level, the local approach, which includes communities and community-based enterprises, as well as small and medium enterprises. Because this means that all major stakeholders will be included, and this is something that the integrated solid waste management policy calls for. Once we have all hands on deck and we ensure that local community members' needs and constraints are included in the frameworks and policies that will be drafted, so that the waste management will be applicable to their communities. And we also ensure that they are included, because this will enable them to take ownership of the waste management processes, because they will feel like it's for them, it has been drafted for them, and it will help the process to be maintained. And we also, you will see that they will be willing to pay for their waste, and they will be willing to actively participate in the process. So I believe that local communities and community-based enterprises are the best methods. I mean, of course, with government arms governing and overseeing the entire process. Now that I am understanding what is being said, I have missed so much, and I want to be part of the session now. Of course, it's not it. So if you would at least go over a few of the questions again for me, I would appreciate it. Translate some of the questions for you, but time is flying, so I need to go further in this discussion, but I will go back to you in English as soon as possible. Thank you very much, Olivia. On va prendre maintenant une question du public, hein, puisque le public a quand même réagi pendant cette discussion. Une question, par exemple: quelles leçons pouvons-nous tirer du succès du protocole de Montréal pour assurer la lutte contre d'autres types de pollution? Philippe Lacoste. Oui, hein, c'est un exemple qui a été étudié en détail. Il y a eu un alignement des planètes, si j'ose dire. Il y a eu un problème identifié scientifiquement. Il y a eu des alternatives qui ont été proposées, notamment ces gaz réfrigérants. On en a trouvé d'autres qui étaient moins polluants. Et il y a eu un accompagnement. Je crois que c'est M. Payette aussi qui a parlé tout à l'heure, je dirais, de cette nécessité d'accompagner les pays en développement pour appliquer. Il y a eu un accompagnement avec des financements qui ont permis de passer d'un système, d'une technologie à une autre technologie beaucoup moins polluante. Il n'y a pas de zéro pollution, hein, mais on a réduit ce niveau de pollution à quelque chose de très acceptable, et en tout cas, ça a permis de reconstituer, je dirais, cette couche d'ozone qui nous protège. Donc, une alternative technologique, un système économique qui a pu enclencher sur un autre mode de production plus responsable, et un accompagnement des pays en développement qui ont souvent des ressources limitées et qui ne peuvent pas donc sans accompagnement, je dirais, passer d'un système de production à un autre.
Merci beaucoup, Philippe Lacoste, pour ces réponses. A question for you, Olivia, from the public. How can young people tackle the issue of pollution in a more efficient and effective way? What would you answer to that question? Thank you for the question. As young people, what we need to do to tackle pollution would be to raise our voices. And the best way we can do this is to engage policymakers, engage producers of plastic materials, and engage consumers. Once we are engaging consumers, because consumers have the highest power, if they decide to not buy a product because of its use of plastic materials during packaging, you will see that that product will not thrive. So we need to constantly engage consumers to be environmentally sensitive when it comes to buying the kind of products they buy, engage producers to redesign their products so that they utilize less or no waste or plastic materials, and of course, engage our policymakers to ensure the polluters pay principle, the standard producer responsibility principles, and the proximity principles are all included in decision-making processes so that waste management and pollution can be tackled and it will be done efficiently. Thank you very much, Olivia, for this answer. On n'a plus beaucoup de temps maintenant pour ce panel, mais je voudrais que chacun d'entre vous délivre finalement un message final sur la discussion qu'on a eue cet après-midi. Donc, assez court, je vais commencer par vous, Madame Drake. Que compte faire l'Union européenne finalement pour améliorer le cadre existant ? Rapidement. I think it's a question of having no time to lose. We have no more time for the panel and we have no time to lose to make sure that we really are serious about going towards toxic-free environment by 2050. But this requires a change of mindset, a transition, a transformation. We have seen that, in fact, chemicals and plastics production is increasing and the quantities of waste are too, and therefore we need to act now. But of course, in the area of the global aspect, shall we say, the EU must act also with its international partners to change consumption patterns. And in addition, we need to stop harmful chemicals from entering into the environment and affecting people's health, starting by phasing them out of consumer products. We need to mobilize to stem the plastics tide. The EU is putting, in fact, a lot of strong tools into action. Let's all use them. Let's share them with our global partners. Thank you very much, Joanna Drake. No time to lose. We got your message. Olivia, what would be, quite quickly, because we don't have much time left, what would be your final message? My final message would be for government to provide basic services to its people so that plastic materials like this one, such as water, would not be needed, because populations would have access to clean drinking water and they would not have to buy these things. I also want to encourage private sectors to be reliable in their services so that government can trust them and community members can trust them to together manage the waste. And to consumers everywhere, I want us to always consider the best practicable environmental option as we use products that are being produced everywhere. And everyone listening, I want us to know that there is no way we can address the issue of plastic pollution or pollution as a whole if local community members or people who are directly affected by this issue are not involved in the process. Thank you. Thank you very much, Olivia. Rolf Payette, à votre tour maintenant, un dernier message assez rapidement, s'il vous plaît. Merci, Alec. I think I will focus my message on the transition. I think it's been mentioned before. We need to navigate this transition. We have to transform. There's no staying where we are now, and there's no going back. And I think we see that in the motor industry, for example. In Europe, we've seen announcements by companies of putting a date when we're going to phase out diesel and petrol cars and shoving electric cars. We need to do the same with products like plastics that create pollution and other products that create pollution. We need to be decisive. We need to set ourselves targets, and we need to work towards those targets. And I think it can be done economically. It can be done without
affecting us in terms of the evolution of our civilization, it can be done. We can give people a better health, better air to breathe, and a better ocean for wildlife. And I think we can do it. Nous pouvons le faire. On a bien compris votre message aussi, Monsieur Payet. Je me tourne maintenant enfin vers Philippe Lacoste pour votre dernier message cet après-midi. Merci beaucoup. Je crois que je dirais dans mes mots la même chose que Madame Drake et Madame Livingston. Je crois qu'au-delà des questions de réglementation internationale, ce sujet doit être l'affaire de chacun d'entre nous, consommateurs, producteurs, et que cela passe par deux choses à mon avis, la sensibilisation du public et un effort de transparence. C'est-à-dire qu'on puisse appliquer notre libre arbitre, nos choix individuels, locaux qui auront eux-mêmes, je dirais, une influence sur la situation globale. Merci beaucoup Philippe Lacoste et merci à tous les quatre pour vos interventions. Alors pour clôturer ce panel qui, je l'espère, vous aura tous derrière vos écrans permis eh bien, d'avancer dans vos réflexions sur ces questions, je vous propose d'écouter un deuxième message vidéo d'Olivier Poivre d'Arvor, l'ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes. Écoutez-le. J'identifie par exemple le nouveau cadre post-2020 pour la biodiversité qui sera décidé par les États parties à la Convention sur la diversité biologique, à la COP15, le lancement de négociations sur un accord global sur les plastiques lors de la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement en février 2022, ou encore le nouveau cadre post-2020 sur les produits chimiques qui pourrait être adopté en 2023. Il est aussi indispensable d'œuvrer à renforcer la gouvernance de la haute mer, de mieux protéger la biodiversité marine et d'assurer une gestion durable de l'océan. C'est l'objet des négociations de l'accord portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones au-delà de la juridiction nationale, une négociation dite BBNJ. L'océan est un bien commun que nous devons protéger des pollutions qui le menacent. Et au-delà de ces solutions, à l'échelle globale, il est aussi souvent nécessaire d'agir à un niveau plus local ou régional. Si l'on prend l'exemple de la Méditerranée, cette mer est particulièrement exposée aux pollutions du fait de la concentration d'activités humaines sur son pourtour et à sa surface. La France a donc lancé, lors du One Planet Summit de janvier 2021, avec l'Espagne et la Principauté de Monaco, une initiative visant à faire de la Méditerranée une mer exemplaire d'ici 2030. Cette initiative rassemble aujourd'hui une dizaine de pays des rives nord et sud de la Méditerranée autour de quatre axes de coopération. La préservation de la biodiversité marine, la lutte contre la surpêche, la lutte contre la pollution marine et le développement d'un transport maritime durable. Nous présenterons ce plan à partir du mois de septembre, aussi bien à Marseille lors du congrès de l'UICN et du Forum des Deux Rives que du Forum de la mer à Bizerte en Tunisie. Donc beaucoup de rendez-vous et d'échéances à venir, on l'a vu dans ce message vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis derrière vos écrans, d'avoir participé à nos sondages, d'avoir posé des questions à nos quatre invités, Rolf Payet, Johanna Drake, thank you Olivia Livingston from Liberia et Philippe Lacoste du ministère français des Affaires étrangères. Merci beaucoup à tous pour ces discussions de grande qualité. On a beaucoup appris cet après-midi lors de ce panel. Je vais rendre maintenant la parole à Jack Parrock, puisqu'il y a encore beaucoup d'événements. Restez connectés, hein, beaucoup d'événements à suivre et je vous souhaite à tous une excellente journée.